À la place Bab el Hed, lieu de circulation majeur de la célèbre Médina de la capitale, le paysage a totalement changé. En cause, les travaux de construction de la Trémie, au niveau du croisement de l'avenue Hassan II avec les deux avenues Ibn Tsomart et d'Égypte, ont pris fin. La place Bab el Hed connaît régulièrement un très fort afflux, notamment au niveau du boulevard Hassan II. Ce tunnel va mettre fin aux embouteillages infernaux qui bloquent le croisement et va offrir de la fluidité au trafic. En passant facilement par ce tunnel dont la longueur avoisine les 260 mètres, les automobilistes en provenance de la ville de Salé pourront ainsi éviter l'encombrement du croisement. Ils peuvent arriver directement à la route menant vers le quartier Qamra pour ensuite arriver à la route de Casablanca. Ce passage souterrain va d'abord faciliter la circulation, mais aussi réduire la nuisance sonore causée par les embouteillages. Pour un budget estimé à quelque 40 millions de dirhams, le projet a été réalisé en seulement quelques mois. Au total, ils sont 14 tunnels à compter dans la capitale.